Wow! Alors nous sommes dehors. On profite, on est au parc. Hein, c'est cool. Tu veux que je te pousse, Clément, un petit peu? Wow! Allez, bah on va te pousser un petit peu aussi. Allez, maintenant tu peux, hein. Voilà, hein. Allez. Allez, allez, tout seul. Allez, on lève les jambes, on les baisse, on les lève, on les baisse. Ça va, mon choubichou, toi aussi? Oui, coucou. Waouh, bah t'es bien parti, Clément, là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous avez vu les images, nous sommes partis en milieu de matinée, en fait, directement au parc ce matin. Donc, c'était vraiment sympa. Et là, en fait, on est rentré il n'y a pas très longtemps, il est à peu près 13h. Et nous sommes à table. Ce midi, j'ai fait un poulet rôti que j'avais fait cuire avant de partir au parc, heureusement. Après, à côté, j'ai fait des coquillettes. En fait, ce que je voulais, c'est faire des frites et je n'en avais pas. Et sincèrement, quand on est rentré un peu tard vers midi, j'avais pas envie non plus d'éplucher des pommes de terre, etc. Donc j'ai dit, on va faire des coquillettes, ça ira beaucoup plus vite. Et moi, à côté, je me suis fait une petite poêlée de choux de Bruxelles. Mmh. J'adore ça. Bah, moi, c'est pas du tout ça. T'aimes pas du Alors, tout, hein. J'aime pas ça. Ah, ça me porte bien, ma ancienne école. Oh là là, c'était dégoûtant. Maintenant, si on s'y a plus de goût, sans y manger. T'aimes pas? Pas du tout. Les choux de Bruxelles, c'est assez particulier. On dit pas que c'est dégoûtant, on dit que j'aime pas, c'est mieux. D'accord? Ouais. En fait, moi je rajoute des châtaignes que je fais sauter avec les choux de Bruxelles une fois que les choux de Bruxelles sont cuits. Et j'aime bien. Puis là, j'ai mangé ça avec du poulet, donc c'est très bien. Voilà, on va se mettre à table tranquillement. Et ensuite, Warren va aller faire dodo parce qu'il a pas dormi du tout ce matin. Bon, bah je vous reprends. Il est presque 17h. Sébastien est rentré du travail, ça y est. Oui. Voilà. Alors, l'après-midi s'est passé très calmement. Hein. Warren a dormi toute l'après-midi jusqu'à 16h. Et ensuite, papa est arrivé à
16h30 à peu près à la maison, hein, à peu près. Donc là, on se prépare, en fait, on va direction le marché de Noël de notre ville. C'est la première fois qu'on y va, donc on va voir un petit peu comment c'est. Et puis, bah, ça nous fait une petite balade de fin de journée. Il fait pas si froid que ça aujourd'hui, finalement. 10 degrés. Ouais, donc ça va, on en profite, hein, c'est bien. Voilà, on s'est couvert de toute façon. Donc voilà. Puis le marché de Noël, c'est plus joli la nuit, moi, je trouve. Non ? Oui, c'est éclairé. Bon, on va voir, ça va être la surprise. Voilà, on verra bien. C'était vraiment agréable ce marché, hein chérie, c'est bien. Ouais. Là, il est pratiquement 7h. Oui. Et en fait, les enfants sont douchés, Clément, Kéliane et Warren. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est en pyjama. Bah oui. On a tout fait, j'ai speedé, mais je vous raconte pas. Maintenant, je vais faire la table et je vais les faire manger. Donc du coup, Sébastien a coupé du poulet, il l'a coupé comme ça. C'est du poulet rôti qui nous restait de ce midi. Et je vais les mélanger avec les pâtes. Il me reste de ce midi. Donc on va j'ai les courgettes aussi. Voilà. Je vais faire sauter un peu de courgettes et je vais faire avec des pâtes. Je vais faire une poêlée. D'accord, ok. Puis peut-être avec un peu un peu d'épices. Ça marche. Ah bon, je vais improviser. D'accord. Entendu. Alors, vous voyez, je crois qu'il n'y aura pas de téléphone. Hein. Si vous essayez de nous joindre, ben voilà, où est le téléphone? Bon, c'est pas grave, il n'y en a pas encore. Bon, on vous reprend, il est à peu près 20h30. J'ai couché les enfants très tôt ce soir. Warren et Clément, ils ont été au lit aux alentours de 19h30. Non, je dis peut-être des bêtises. Oui, c'est ça à peu près. 20h au plus tard en tout cas, ils dormaient. 19h30. Hein, 19h30. Et personne ne s'est fait prier, comme on dit. Je sais plus exactement, mais en tout cas assez tôt. Et même Kéliane est partie se coucher relativement tôt. Je crois que ça doit faire une demi-heure à peu près qu'il est au lit. Donc c'est bien. Moi j'aime bien quand il récupère comme ça d'un week-end. Voilà. Même si on n'a pas fait grand-chose, mais c'est bien aussi. Les enfants, ils ont besoin de dormir en fait, simplement. Bah, faut oui. C'est sur une base au moins de 10 heures, c'est très bien. Hein. Non, c'est nécessaire. Alors on a fait un petit tour, vous avez vu, au Christmas Market, au marché de Noël. Ouais. Je cherchais mes mots en français. Il était pas très grand, mais il était vraiment sympa, et puis ça nous a fait du bien. Franchement, avec tous les petits chalets, on se serait vraiment cru dans un, enfin, c'est le mot, dans un marché de Noël. C'est vrai, hein. Mm. C'est vrai, c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa. Entre les bougies, les petits chaussons, les chocolats, les, puis tout ce qui est spécialité, le vin chaud, les marrons, tout ça, non, mais on se croirait vraiment, enfin, c'est vraiment sympa. Ambiance Noël et. Et les exposants étaient vraiment très accueillants. Vous pouvez discuter avec eux facilement. Et ça, c'est bien aussi. Bah, comme j'ai dit précédemment, là, il y avait un stand sur les animaux. Là, j'ai échangé avec la personne. Franchement, elle était très, très agréable. Parce que Warren, il voyait les peluches. Là, il y avait, je vous explique vite fait, un petit blaireau, un petit écureuil donc, qui tendait.
Donc après, bah, c'était l'accroche. Mais après, j'ai échangé avec la personne. C'est vrai qu'elle était très passionnante. Ouais. Donc voilà, on a fait notre petite sortie de fin de journée. Ce matin, nous avons été au parc malgré le froid et les enfants étaient plutôt contents. On a passé franchement une bonne matinée. On est rentré, il était plus de midi. Et nous, on a mangé, il était à peu près à 13h, voire peut-être un peu plus. Donc voilà. Mais c'était cool. Franchement, une bonne matinée, non, tranquille. Ça leur fait du bien. Ouais, ils étaient contents, ils ont pris l'air. Donc c'est parfait. Faut pas stopper parce que si on se stoppe avec le froid et la pluie, on sort plus. C'est ça, c'est ça en fait le truc. Mm. Alors, demain, le programme de demain, c'est... Des off. Pour toi, oui. Sébastien est de repos demain. J'essaie de dire je fais rien du tout, mais le problème, c'est que ça va pas être possible. Non, on a plein de choses à faire, malheureusement. Voilà, c'est la période de Noël, donc c'est voilà, ça demande beaucoup de travail. Et, on le sait de toute façon, donc ça va. Hein. Oui. On n'est pas surpris. Donc demain... ce qu'on a prévu, c'est de tourner une vidéo, une recette de cuisine. On vous en dit pas plus, vous le saurez dans les prochains jours. Et également, il faut qu'on fasse la liste en fait de nos courses de Noël, parce que on va réveillonner ensemble, en famille en fait. Et donc du coup, pour qu'on fasse un petit peu le point sur ce qu'on a besoin ou pas. Ah oui. Voilà, je pense que ça devrait le faire et normalement on devrait faire les courses mercredi. Parce qu'après, Sébastien est trop pris. Le réveillon, c'est lundi. 24. Le réveillon, c'est lundi. Moi, je travaille déjà le midi. Voilà. Bon, j'ai de la chance. Je croise des doigts. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Mais vous savez, c'est toujours... on n'a pas beaucoup. Puis à la fin, c'est plein. Bah, tu ne seras pas de retour quand même. Avant 4-5 heures. Bah, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on s'organise. Bon, qui dit réveillon, on ne mange pas non plus à 19 heures. Là, on fait... On mange un peu plus tard, oui. C'est détente. Hein. Oui, oui, non, c'est clair. Puis on entre nous, donc voilà, on n'aura pas notre famille avec nous, en tout cas pour cette année, parce que tout simplement parce que Sébastien travaille le 24 et voilà, on peut pas, moi je peux pas partir le laisser ici. Voilà, ça le fait pas. Non, puis je pense que je ferai un peu la tête. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Je confirme, un peu beaucoup. Donc voilà, bon, en gros, demain, voici ce qu'on a besoin de faire en espérant qu'on aura le temps de tout faire. Parce que vous savez, souvent, il y a beaucoup d'imprévus, surtout ces derniers temps. Donc, on verra. Donc voilà pour cette petite journée plutôt cool et sympa. On va donc vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Et si c'est le cas, bah, vous n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous à notre chaîne. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Ciao!